Salut les amis, ici Bycast. On se retrouve un petit tuto informatique aujourd'hui. Donc en fait, on va vous parler des fameux disques durs qu'on retrouve dans les décodeurs de FreeSFR Orange ou dans les box Free aussi, qu'on retrouve des disques durs de 250-500 Go. Souvent, ils sont sécurisés pour pas qu'on puisse les formater, qu'on puisse les réutiliser sur un PC portable. Et comme on peut le voir, souvent ils sont bloqués en RAW. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment la passer en noir, donc en non alloué. Et ensuite la reformater au bon format. Donc dans un premier temps, en fait, si vous venez par le gérer, souvent ça marche pas par la gestion de disque. Donc vous venez là sur le démarrage en bas à gauche. Alors, je sais pas si vous allez voir ici en bas à gauche, vous faites clic droit, vous sélectionnez exécuter, et ici vous tapez disque par. Ça vous ouvre un petit menu comme ça. Ensuite ici vous tapez liste disque. Hop. Il vous met la liste des disques sur votre PC. Donc, j'ai mon disque principal de 1000 Tera. Donc, c'est pas lui que je vais prendre. Ça va être le deuxième disque 2. C'est celui qui est du décodeur free en fait. Là, j'écris select. En fait, ça serait mieux d'écrire bien. Select disque. DISK. Numéro 2. Le disque 2 est maintenant le disque sélectionné. Ensuite, je fais liste. Partition. Donc en fait, je veux voir les partitions du disque. Comme là, on peut voir, il y avait deux partitions, une que j'avais déjà formatée et une qui restait non formatée. Ah merde, j'ai fait une faute. Liste partition. Là, on voit encore la fameuse 953 MO. Donc c'est vraiment celle qui est bloquée en RAW. Ensuite, donc là, je fais select partition. Je vous mettrai la petite manip dans la description YouTube. Select partition et je dis que j'écris numéro 1 vu que c'est la 1 que je veux. Voilà, allez, maintenant elle est sélectionnée. Donc la partition 1 est maintenant sélectionnée. Et ensuite on écrit delete partition override. Hop, mon exécuté il est où? Oups, il est où lui? Alors hop. C'est où je vais écrire déjà? Je me souviens plus. Ah ouais, d'accord. Delete partition override. Mince, je me suis gouré dans la manip. C'est ça. Delete partition. Ah, j'ai écrit partition. Partition override. Disque part correctement, supprimer la partition sélectionnée. Donc maintenant, vous venez ici. Vous retournez sur votre géré là. Hop. On peut voir ici maintenant, elle est en noir. Clic droit dessus, nouveau volume simple, suivant, 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 suivant. Tac, formatage en cours. On attend un peu, ça va assez vite. Voilà. Hop, et voilà. Comme vous pouvez le voir, 232 MO, donc c'est un 250 MO, c'est un partition de données de base, NTFS. Donc voilà, il est plein à redoubler, on a sauté la sécurité de l'opérateur qui bloquait le disque. Donc toute la manip à faire avec le PC, vous allez la retrouver au niveau du disque par. Dans la description de la vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao ciao.